Kanye a vraiment franchi une frontière. Il fait pas que recycler un trope antisémite, il est dans l'appel au meurtre. Adidas met fin à son partenariat commercial avec Kanye West. Le rappeur américain a eu des propos antisémites et racistes. La collaboration entre Adidas et Kanye West a démarré en 2014 et a permis de développer la marque Yeezy, dont Kanye West est propriétaire. Quelques semaines après la Fashion Week de Paris, c'est au tour de Balenciaga de mettre fin à sa collaboration avec Kanye West. Mais par le passé, des marques ont déjà mis fin à leur contrat publicitaire ou à leur partenariat commercial avec des personnalités qui ont déjà eu des propos ou des comportements problématiques. Gillette n'a plus voulu associer son image à Tiger Woods en 2010 après ses infidélités conjugales. Tag Heuer a lâché Maria Sharapova pour avoir été contrôlée positif à un test antidopage en 2016. Et plus récemment en France, Lacoste est séparée de Roméo Elvis et de Moa Lasquale qui ont été accusés d'agression sexuelle par deux jeunes femmes. Alors comment une marque doit-elle gérer son égérie ou son ambassadeur qui n'est plus du tout en phase avec ses valeurs? On a posé la question à Nicolas Chemla, consultant en stratégie de marque. Kanye a vraiment franchi une frontière. Il ne fait pas que recycler un trope antisémite, ce qui a déjà été fait plusieurs fois par le passé et qui n'a pas provoqué des réactions aussi radicales de la part des marques qui auraient pu être associées à tel ou tel rappeur. Il est dans l'appel au meurtre de la population juive. Et donc c'est en ça que ses propos sont vraiment incomparables à d'autres scandales qu'il y a pu avoir auparavant. Il n'est pas juste un porte-parole de la marque ou un ambassadeur pour une campagne ou l'égérie d'un parfum. Il s'agit vraiment d'un partenariat lourd entre Adidas et lui. Je pense qu'il faut prendre ça en considération pour comprendre le fait qu'Adidas est attendu un peu avant de rompre le contrat qu'il est lié à Kanye. On estime à 1 à 1,5 milliard de dollars la perte annuelle. Se séparer d'une égérie de marque ou d'un ambassadeur saisonnier, enfin, ça pose pas vraiment de problème. De toute façon, c'est des contrats qui sont hyper temporaires. Donc à la question de savoir comment on arbitre entre une rupture de contrat définitive ou une suspension temporaire, je crois qu'il n'y a pas de réponse absolue. C'est quelque chose qui s'évalue au cas par cas. La marque doit réfléchir à l'impact que ça va avoir sur son image à court mais surtout à long terme. C'est précisément le problème du marketeur, c'est d'essayer de sortir de ces impacts relativement limités. Ce qu'on appelle un tweet storm, ça veut dire un orage de tweets. Par définition, un orage, ça dure pas. Il y a plein d'exemples de marques qui ont été confrontées à des tweetstorms qui finalement, au bout d'un mois et demi, tout le monde a oublié et l'impact sur la marque est très limité. Mais parce que précisément, il s'agissait de propos qui peuvent être jugés problématiques, mais qui en soi ne constituent pas des crimes, enfin, ou des atteintes aux droits.